Eh bien, salutations, Captain. Tu veux de la nouvelle fraîche au sujet de la saison 2 de Skull Il y en a une qui est tombée sur le Discord officiel. Les devs nous ont partagé une nouvelle méthode d'obtention des manufactures qui arrivera donc en saison 2. Sur le post, il est écrit que jusqu'à présent, on pouvait obtenir des manufactures via des prises de contrôle et des braquages légendaires, vous connaissez tous. Et ils ajoutent désormais une nouvelle option davantage adapté du coup pour les joueurs solo. Ça sera appelé le rachat. Donc des opportunités de rachat apparaîtront à intervalles réguliers dans les avant-postes sur les lieux de TP donc, et tout le monde pourra rejoindre. Il n'y aura pas de compétition PvP et donc avant de participer à l'événement, on pourra voir les récompenses potentielles, mais pas les éléments nécessaires pour conclure la transaction. Une fois qu'on aura accepté de participer à l'événement on devra se rendre donc à l'avant-poste en question, trouver le contrebandier, et une fois que le compte à sera terminé, nous verrons ce qui est demandé pour conclure l'affaire. Apparemment, les articles pourront être des marchandises, de la contrebande, des devises, des matériaux raffinés, bruts, des équipements, qu'on devra rassembler donc et les donner au contrebandier. Théoriquement, le premier qui a tout réuni et qui a tout filé recevra la manufacture. Il y a un autre sujet qui est tombé qui nous en apprend un petit peu plus sur les certificats qu'on obtiendra euh, en fonction du nombre de zones que l'on possède et qui nous permettront d'activer une manufacture de notre choix. Donc apparemment ils ont l'intention avec cette fonctionnalité de nous offrir un plus grand degré d'influence qu'ils disent sur la construction de notre empire. Ils veulent encourager une approche stratégique dans l'utilisation des manufactures et de la contrebande qu'elles produisent pour nous. Pendant la saison 1, certains articles de contrebande étaient disponibles dans une région spécifique. Ils équilibrent maintenant la disponibilité de certains articles de contrebande sur la carte avec la saison 2. Ils visent à encourager les relations entre les factions et chaque faction sera spécialisée dans la production de certains articles de contrebande. Comme ces nouvelles saisons, des nouveaux ennemis apparaîtront et la dynamique des régions et de leurs factions évoluera apparemment. Certains articles sont plus difficiles à obtenir ce qui fera augmenter leur prix tandis que d'autres verront leur prix baisser en raison de l'inondation du marché bon on verra bien ce que c'est exactement que tout ça. On pourra s'attendre apparemment à la demande et à la disponibilité des produits évoluent à chaque saison. Ils nous disent que ce sera à nous du coup de surveiller l'offre et la demande, de saisir ce qui se présente et transformer ça en une opportunité. A cet effet, les bohèmes apparemment ont joué un rôle majeur en nous aidant à faire des investissements significatifs du coup dans notre empire de contrebande. Et il existe plusieurs façons d'obtenir ces Elms. Alors ils nous en citent quelques-unes. On pourra en obtenir via le pass de contrebandier, par le biais de contrats saisonniers ou même en en échangeant de la contrebande avec Skurlock et Rama. Notez ça, encore des ressources à mettre de côté. Et donc une fois qu'on a le bail, il faudra aller à la manufacture de notre choix. Pour l'obtenir, il y aura une nouvelle interaction, échanger le bon. Voilà. Il nous détaille qu'il y aura plusieurs types du coup de, de bail, des factionnels, des régionaux ou des mondiaux. Donc les factionnels, c'est le type de bail qui nous permettra d'acquérir une manufacture d'une faction spécifique. En régional, il nous permet de revendiquer n'importe quelle manufacture de la région en question. Et en mondial, du coup, bah, ça sera valable partout pour acquérir n'importe quelle manufacture. Une fois qu'on a obtenu un bail, il restera en notre possession jusqu'à ce qu'on l'utilise. Que ce soit cette saison ou la suivante. Bon, et pour ceux qui sont encore là à ce moment de la vidéo, petit cadeau, petite astuce, c'est pas sûr que ça marche, on en a parlé avec des collègues sur le Discord. Comme on le sait, on va avoir nos pièces réduites si on est au-dessus de 300 000, réduites jusqu'à 300 000 du coup. Il s'agit des pièces de 8 qu'on a en banque. Par contre, qu'est-ce qui va advenir des pièces de 8 qu'on aurait dans la cale Si par exemple lundi soir... On fait un tour, blindé, 100 000 pièces de 8 on va dire, et que je les dépose pas, que je les garde dans mon bateau, je déconnecte. Étant donné qu'on est certain de perdre tout ce qu'il y aura au-dessus de 300 000, on n'est pas du tout certain de ce qui va se passer avec l'inventaire du bateau. Petit pari là-dessus, peut-être en mettre dedans. Et on verra bien mardi matin si elles sont là ou pas, histoire de démarrer avec un petit peu plus de pièces de 8 que prévu. Pourquoi pas Allez, c'est cadeau, c'est là-dessus que je vous abandonne. Ciao bye bye, portez-vous bien.